Salut à tous et à toutes, ici DB94, vous pour la suite de nos aventures avec... avec le Dunedin. J'allais dire avec le Portugal, mais non, avec le Dunedin. Dernier épisode, yes, je sais plus trop ce qu'on faisait. Oui, on est peut-être... Non, je sais plus. Je crois qu'on a pris cette ville là, non? Qu'est-ce qu'on a pris? Oui, on a pris Argonde. Yes, my lord. On a vraiment du mal, hein, avec ce let's play quand même. À cause des petites villes et tout ça. On se fait 2400 prochains tours. L'armée, ça marche. Il faudrait que j'envoie une unité de chasseurs. Où est-ce que je pourrais envoyer cette unité de chasseurs? Ça, il faudrait vraiment que j'envoie des troupes vers le nord là. Vraiment que je les aide le plus possible. Voilà, hop. Et ils sont là au prochain tour déjà. En dessous là. Ça, genre, faut que j'envoie tout ce que j'ai là. Faut vraiment que je les aide. Ici, mon armée. Pff, elle a pris cher mon armée là. Elle a pris réellement cher. Pas forcément un tour. Et après je pourrais faire quoi pour faire les archers? 216, qu'est-ce qu'il faut pour faire les archers? Faut que je fasse ça. 1200, si j'ai déjà commencé à le faire. Mais mon problème c'est que j'ai pas beaucoup d'habitants dans toutes mes villes là. J'ai très très peu d'habitants. 247, ici j'ai une armée, ouais, 3 unités, ici j'ai une bonne armée. Ah, mon unité, j'ai oublié. Je vais venir ici, rentrer à la maison. Ok, donc Aragorn, j'hésite à aller prendre la ville ici. C'est pas mal que je sois bien que je prenne la ville là. Your orders, my lord. Le problème, c'est qu'il me faut une unité. Il faut une unité de mêlée. J'en ai une qui vient ou pas? Viens pas tout de suite, je suis embêté. Il faudrait qu'Aragorn puisse recruter des bandits ou quelque chose. Là, je vais passer le tour. Oh, je vais accélérer plutôt. Je suis en train de le ralentir le temps. Je sais que je suis embêté là. J'ai vraiment beaucoup d'archers, mais il faut quand même quelques unités de mêlée hein, pour essayer un peu de ralentir l'ennemi. Les archers c'est bien, ça me très très bien pour Divide and Conquer. Après voilà. Jeff Farlander qui m'a posé une question l'autre jour, qui m'a demandé si au niveau économique, Divide and Conquer corrigeait les défauts de Third Age. J'ai déjà apporté ma réponse à l'oral, donc pour les abonnés qui voilà, qui se posent aussi la même question. Alors au niveau économique, c'est, comme vous pouvez voir, c'est un peu dur quand même. Même une campagne avec les nains, et en prenant toutes les mines importantes comme Gundabad, le hall de Dain, je crois, c'est des montagnes avec des mines, où il y a vraiment beaucoup d'argent, et même comme ça, on se fait pas tellement d'argent. J'arrivais à avoir quand même 4 armées full, avec de bonnes unités, tout ça, et avoir quoi, 4000 de trésorerie, je pense, ou 5000 de trésorerie. Donc c'est pas forcément énorme quand même. C'est vrai que c'est un peu juste. Donc c'est vrai qu'économiquement parlant, le Divide Conquer corrige pas les erreurs. C'est un peu le défaut du mode. C'est vraiment l'économie qui est très très dur à mettre en place. Déjà à cause du montant des coûts d'entretien des armées. Et aussi au niveau du commerce qui est très très... qui rapporte vraiment que dalle. C'est vraiment dommage. Quoi? Il veut que je prenne quoi? Ouais, ok, donc en fait, il y a un bug que j'ai constaté, c'est que niveau des missions, il me demande de faire un blocus sur le port, sauf que j'ai aucune ville avec un port. C'est juste ça mon problème en fait. Mais bon. Alors, construction, ok. Ici, on va faire ça.
Excusez-moi, je suis dans le métro. Ici, on va annuler ça, parce qu'il nous faut l'argent. Et si la ville tombe, au moins, on pourra l'investir ailleurs. Je suis dans l'embarras, là. On va faire une étape ou pas. Je suis un peu dans l'embarras, ouais. Je suis dans l'embarras. J'ai envie d'envoyer quelque chose. Faut que je regarde ce que j'ai. Si j'ai erreur sur que j'ai rien. Je vais envoyer deux unités là. Et la dernière va partir à Barqueta. La ville là, je vais la perdre. Je le sais très bien. Ils ont trop d'unités en marre pour que je puisse rivaliser. En tout cas, pour l'instant, ça va être dur. Faut se l'admettre. Ok, Amonsoul. Amonsoul, le recrutement est fini. Je pouvais envoyer tout ça vers Fornost. Je peux recruter ça. Ouais. Peut-être attendre pour recruter ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça dans la capitale déjà où j'ai beaucoup d'hommes. Alors blacksmith, une étable, je pourrais faire une étable. On va faire ça déjà, on l'a pas. Alors, Aragorn, hop, ici. Yes, my lord. Bon, on peut pas faire autrement, il faut que je laisse l'unité d'archer ici. Hop, on va attaquer les villes là-bas. Faire une tour en attendant. This tower will keep vigil over the lands. As you command. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire des archers. Et si on peut faire ça? Ah non, on va faire une librairie. C'est pour de la conversion religieuse. Ok, faut que je voie mes espions où ils sont. Où sont mes espions? Ok, donc lui est là. Ici, on a une unité ici. Je remonte vers le nord pour voir ce qu'il y a. Ah, ici, il y a une deuxième ville. Regardez ce qu'il y a. Mon diplomate, il est où? Il est là. Il va bientôt arriver. Chez Tranduil. Je sais plus où est la ville de Tranduil. J'allais par là, mais je sais plus précisément où. Stopping here. Allez, au pire, j'en montrerai vers là. Je verrai bien ce qu'il y a. Donc je passe le tour. Hein. Et, bon, je suis embêté pour ici. Je sais pas trop comment je vais faire. Ici, il y a deux unités, mais ici, il y en a un peu plus. Est-ce que je joue le jeu? Est-ce que je fais le risque d'aller attaquer et de perdre après, sachant qu'il y a ça là. On va faire 813. Ça va, elles sont quand même fortes ces unités. On va faire la bataille. Espérant qu'on puisse gagner. Peut-être envoyer deux unités d'archers en renfort sur la ville assiégée. Moi je garde vraiment en bloc mon armée ou de la dispatcher, je sais pas trop. Ça va être dur ce let's play, je le sens mal. J'ai eu un petit problème avec le let's play avec le Portugal en ce moment, c'est que j'ai le jeu qui bloque. J'ai pas d'explication, le jeu bloque à la fin du tour à chaque fois. C'est embêtant parce que je peux pas continuer en fait. Du coup j'attends de voir, je vais essayer de réparer le problème, mais bon. Faut savoir que c'est pas forcément de ma faute. Je voudrais bien continuer le let's play, mais bon. Que voulez-vous? Ça marche pas. Hop ici, on va faire comme ça. Hop. Ils vont morfler là, je vous le dis. Ces unités d'archers là sont vraiment stylées. On va avoir ces arcs par rapport aux autres. À la limite des arcs modernes. À passer le pont, les enfants. Ils vont prendre cher, les amis. Tirer sur les alpardiers, tirer sur la bande de gobelins. Ici.
enemy are badly bloodied. They have lost half their men. On va avancer tout ce beau monde. Prenez cher, sincèrement. Il faut mentir, les batailles sont ennuyeuses, mais bon, faut prendre ça à notre avantage. On va pas chipoter, on fait. Il reste une unité ici. Oh regardez, il reste 17 hommes. Oh cette bataille, quel massacre. Je kiffe ce mode. Bon il en reste 3 les mecs, visez juste. Bon il en reste 2. Non il en reste 3. Il en reste 2. Il en reste 1. Allez tirez juste. Allez tire tous à côté. Elles vont pas la voir en plus. Ils sont sérieux. Bon voilà qui est Valérie. Putain il le rate quoi, regardez. Tout à côté. Ah non on l'a touché. On va continuer. C'est pour tuer une unité. Et hop il est mort. Allop. 800-0. Quelle victoire. Victoire. Bon c'est un peu de cheat hein, les batailles bon, on les gagne un peu facilement, on va pas se mentir. Et que voulez-vous? On peut pas toujours gagner. We have triumph. Yes, my lord. Pas abusé par contre. Peut-être envoyer quelques troupes. Peut-être faire ça. Attends, ça. Un général. Splitting our forces. As you can. Your orders, my lord. Ça va repartir là-bas. Yes, my lord. Hop. Déjà, on a sauvé la ville. On va peut-être passer le tour. Alors mettre une petite raclée à nos petits gars là. Le clan des Zenith Vites. Je sais plus du tout où c'est les clans des Zenith Vites. Vite ou Vites. Je sais pas trop comment on peut te dire. Voilà, on s'appelle allemande, je trouve. Je sais pas du tout où c'est ça. Je pense que c'est plutôt vers le Rhin, vraiment vers l'est. Rune ou Rhin d'ailleurs, je sais même plus comment on dit. Mais bref, je pense que c'est plutôt vers l'est tout ça. On va bien voir comment vont réagir Angmar maintenant. Donc leurs deux armées ont été prises au dépourvu. Si vous n'arrivez pas en retraite. Ils vont pas attaquer. Mais vous êtes fous. Oh oui. Mais vous êtes fous. Oh oui. On arrive quand même à leur tenir tête. Mais ça va pas le faire hein, là. Très longtemps ça. Andros est attaqué. La fournace dans la famille, petit archer. Toi, tu es dépêché d'aller vite dans cette ville. Your orders, my lord. Peut-être que c'est une idée là. Je ne sais pas qui sont dans les arrières. Glory
honor, victory. Yes, my lord. J'aurais, putain, j'aurais fait la bataille, j'aurais pu les massacrer. We have triumphed. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que j'ai annulé le recrutement. Moi. Je suis un peu emmerdé là. C'est ici maintenant que ça se passe. Ici, il faudrait qu'on fasse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire ça pour améliorer les armures. Le diplomate qui est tout à l'est. Yes, my lord. Without question. If only I could. Si je trouverais pas la ville, moi, dans tout ça. Bon, je vais quand même voir le Dal, royaume de Dal et royaume d'Erebor. Your orders, my lord. We shall engage. On va go no further, my lord. Ville. My lord, approaching quietly. J'ai 1400 ici, ça recrute. Ici, on va faire quoi? Ici. Ouais, on va faire les bruits aussi. Oula, si j'ai une petite armée qui commence à sortir. Je dois rappeler Aragorn en urgence. On va peut-être attaquer Tarbad du coup. Mais si j'ai pas d'armée à lui proposer, il faudra qu'on prenne Tarbad. Passer le tour. Hop. Tout se met en place petit à petit. Il faut que je réussisse à faire une petite armée quand même dans le nord, hein, pour que je puisse mettre une raclée à Angmar. Pour que je fasse un petit peu reculer. Brie font rien, putain. Peut-être qu'il faut que je leur donne un droit de passage. C'est vrai que c'est con dans le jeu là. C'est ça qui est chiant dans Medieval 2 et Rome, c'est qu'il faut des diplomates pour tout faire. Alors que voilà, c'est tellement plus simple d'avoir une interface pour tout faire, sincèrement. C'est tellement rétrograde, les diplomates, quoi. C'est vrai que c'est un peu chiant, on va se l'admettre. Surtout que là, j'ai droit qu'à un seul diplomate. Pour voir toutes les factions qu'il y a dans le jeu, pour créer des alliances, alors il faut y aller. Pour les attirer leur armée ici, c'est déjà ça. Fall back and regroup. We'll make camp here. Oh là, ils veulent pas les lâcher, c'est dingue. Bon, tu dois faire la bataille. On a battu 85 hommes. C'est là où on veut avoir des grandes armées pour leur foutre dans la gueule. Construction terminée, Barqueta. On va faire ça. Ils ne font pas de prisonniers, Angmar, à ce que je vois. On va vous envoyer là-bas. Déjà, on va vous envoyer à Fort Nost. Ça va être notre point de ralliement. Et il faut le voyer à Aragorn. Il faut qu'Aragorn y fonce vite. Your orders, my lord. Yes. We can go no further. Surveillez mon espion. Approaching quietly. Tomorrow's journey planned out. I shall continue tomorrow. Ah, où est mon diplomate déjà? Ah merde, c'est tout à l'est. J'en étais loin là. Yes, my lord. On va remonter tout ça ici. Il y aura Esgaroth, c'est ça. Voilà. Alors, records commerciaux, information, carte. La tête de vainqueur qu'il a avec son casque, lui.
On dirait qu'il est content, hein. Il est content d'être à son poste, regardez. Sa tête, c'est un smiley. Ok, hop, ici c'est report. Prochain tour, on fera. Je crois que c'est le roi ici. C'est le roi d'un, si je me trompe pas, le cousin de Train, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est d'un, mais je suis plus sûr. Attends, on va passer ici en attendant. Tu vas renforcer un peu les frontières avec Tarbad. Yes, my lord. Il est là, il est très bien. Ici. Ici, il faut que je fasse quelque chose. Conseil des rangers. Peut-être les tables. Ou le forgeron. Je sais pas trop. On va faire ça. Non. Regardez. On va pas faire ça. On va faire ça au prochain tour. 882. Hop. Je suis pas en tour depuis combien de temps là? Ça doit faire une dizaine de minutes. On va encore continuer un petit peu. Je vais pas mentir que là j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi. Du coup je dois bien finir la vidéo. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai plein de mails à envoyer. Faut que je me prépare pour aller à la salle de sport. J'ai pas mal de trucs à faire là. Je vais pas vous mentir. Faut que j'agisse le plus vite possible. De manière, je consacre toujours 2 heures voilà, 2 heures pour tourner mes épisodes, toujours le mercredi après-midi, vu que j'ai pas cours le mercredi après-midi. C'est rare pour quelqu'un qui fait des études supérieures, mais bon, l'emploi du temps fait que j'ai un peu de chance. Du coup, je profite pour faire toujours 2-3 épisodes. J'ai tourné 2 épisodes d'Empire aujourd'hui. Ah, ils ont pris la ville dès ce jour. J'ai fait 2 épisodes d'Empire aujourd'hui. Il y a un épisode, je ferai qu'un seul épisode de Third Age. Oula, ça va pas le faire. Si Tarbad commence à prendre mes villes, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Putain, Junedin, c'est vraiment dur à jouer. Et encore l'économie, j'arrive quand même à la stabiliser, mais bon. J'ai quelques difficultés, on va pas se mentir. Edoras. Si j'ai... On va aller sauver la ville. Est-ce qu'on y arrive? On n'y arrivera pas à temps. Oh là là là. Ils ont beaucoup d'archers. Ils ont pas l'air très bons non plus. Sauf qu'ils vont prendre la ville. Ils ont déjà toutes les armes de siège et tout. Là, ils vont la prendre, la ville, je le sens. Ici. Ils ont 2 unités, est-ce que j'en verrai pas? Une unité de mêlée en renfort. Ici, ce qu'on va faire, l'étable. Peut-être faire le blacksmith. On va faire ça. Allez, je le sens. Ok. Lumina, c'est quand même bien défendu, je trouve. Hop. Ouais, c'est des gobelins. Je devrais pouvoir réussir à l'anéantir, cette unité de gobelins. C'est vraiment une deuxième unité d'archer, ça devrait le faire. Oh non, je vais débarquer ta toute seule en plus! Quel fou! Bon, c'est pas grave, c'est qui tout double. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Hop. 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 Oh, c'est long à chaque fois. Le roi d'un, voilà, c'est le cousin de Thora en fait. Accepté. Ils ont pas un grand territoire, les nains. Ils ont pas beaucoup avancé, ça c'est embêtant. Faudrait que les nains viennent m'aider avec les orques, Dangmar et démons brumeux. Si je suis tout seul, ça va être embêtant. Mais Bri, qui fait, je sais pas, il se promène, Bri. Je sais pas ce qu'ils font la comté, là, ils se promènent, ils vont à droite, à gauche. Ce serait cool de venir m'aider, les mecs. Parce que je vais pas la faire toute seule, la guerre. J'ai pas fait assez de tours pour voir si l'IA était vraiment performante. Ce serait l'IA alliée.
C'est vrai que je sais pas, c'est un peu une interrogation que je me pose là. Espérant. Bon, on va perdre la bataille. J'ai peur d'avoir trop tardé avec Tarbad. Aragorn se retrouve face à deux armées. Ça va être dur, ça va être dur. On va voir comment va réagir Angmar. Bon, ils n'ont pas l'air d'avoir réagi. Je leur appose mon armée du Nord, espérant que ça leur faire quelque chose. Oh oui, j'ai Gandalf qui est apparu. Youpi! Gandalf le gris. Où est-ce que je l'ai envoyé, Gandalf? Envoyé ici, je pense. Gandalf, je l'ai envoyé en renfort. My lord. Yes, my lord. We shall engage. We shall prevail. Si on va assiéger. Et donc, j'avais une bataille ici à faire. Oh la chance, ou non? Your orders, my lord. To battle. 1500. Allez. Si on fait ça déjà, ça ôtera un poids de nos épaules. Cette bataille va être dure, ça va être très très dur même. Ah, il faut qu'on la remporte cette bataille. On s'est déploiement, puis ça dans la neige, ça va pas mûrir du tout. Bringing in reinforcements. T'as une armée qui est même dans notre dos. Faut vite qu'on les vainque là. Ils vont arrêter le tir automatique. La cavalerie passe pas assez par derrière. If we continue like this, we will smash the enemy. Hop, on se redéploie, vite dépêchez-vous, on se dépêche, oh, pas de course. La cavalerie. Les gens l'ont vaincu, Jérémy. Ils ont envoyé un texto en même temps. Putain, je peux être qu'on se rentrait. Je suis pas surhumain, merde. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Bon, déjà j'ai tué les deux généraux ennemis.
a du mal là, putain. Only half the enemy force remains. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Our general lies slain upon the battlefield. Oh non, c'est pas mon général qui est mort. Oh putain. Chier. C'est le cousin d'Aragorn. Allez, chargé. Only half the enemy force remains. Allez, chargé. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. If we continue like this, we will smash the enemy. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Je sais pas si je vais gagner là, putain. La fonte les polygones, garde du général. Ils vont jamais abandonner les types. Our army is tiring. Les rangers quand ils se battent au milieu des gobelins, ils savent vraiment pas faire. Faut qu'ils meurent quand même. Nous attendons vos ordres. Our men have slain the enemy general. Bon, déjà, lui est mort, c'est déjà ça. Vite, on charge, on charge, on charge, on charge, allez. Pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Allez, c'est les gobelins, ça devrait le faire. Ils sont un peu choqués. Ouais, bon. On va voir si ça le fait. May have won this battle, but they've not won this war. Putain. Ah, là, je suis foutu là. J'ai un putain de désavantage maintenant. Bon, on va s'arrêter là. On va faire la suite au prochain épisode. Je sais pas trop comment on va régler ce problème. Ça va être beau. Parce que maintenant, Barquetta n'est plus protégé, bien sûr. Hey, ils n'ont plus d'armée. Je pourrais envoyer quelque chose. Ouais, il te fait une unité pour aller prendre la ville. Je pourrais envoyer même un général pour récupérer la ville. Déjà, la ville ne va pas tomber tout de suite. Déjà, ça. Barra des morts, c'est con ça. Bon, on va se quitter là. Je vous dis à la prochaine et bye bye tout le monde.